flaky layers, lots of butter, and a delicate crunch. These are what makes a freshly baked croissant absolutely irresistible. It's a beautiful morning in Nice on the French Riviera, and I can't imagine a better way to start my day than having a croissant. I personally cannot imagine anything more French than a perfectly laminated dough, and if you know the series well, butter, lots of butter. We're going to find out more. These are so good though. Guys, for some reason, I know people like croissant with like a fucking like ham and like a sandwich. I think it's I hate it. You butter. And we'll I better have a normal sandwich and a fucking croissant for a sandwich. To learn how croissants get their perfect. It's just personal preference, I guess. Sit tight, because it's going to take 3 days. At least that's what happens in real life. Luckily for you, we're here to speed things up. You have to put them in day the morning. Day one is the day of the dough. We need sugar, salt, water, yeast, leftover dough and flour. Là, on a deux types de farine. J'ai ce qu'on appelle la farine de tradition française. C'est une farine qui ne contient pas d'additifs. Et ici, j'ai de la farine de gruau. Elle est fabriquée à partir de blés qui vont donner plus de force à la pâte. De la farine de gruau. C'est ce qui va permettre d'avoir plus d'élasticité et une meilleure tenue de la pâte en fin de pétrissage. Vous pouvez m'expliquer la différence entre la pâte à croissant et tous les autres types de pâtes. Quelle est la particularité de la pâte à croissant? Alors, la pâte à croissant elle fait partie de ce qu'on appelle la famille pâte feuilletée fermentée. C'est une pâte qui d'un côté va donner du feuilleté, du croustillant au produit qu'on va fabriquer avec. Et d'un autre côté, on aura une pousse, une fermentation comme le pain. This dough contains 8 kilos of flour and will make about 240 croissants. And this is only one-third of the daily production here at Boulangerie where over 1,000 croissants a day are churned out during the weekend. Why, these look insane, though. Even supplies the most prestigious hotel in Nice, the Negresco. The dough kneads for 12 to 14 minutes, just enough to gain elasticity, but not too much to heat up and kickstart the fermentation process too soon. This, in baker terms, is called preserving the gluten network. It's what Frederic is showing me here. Watched any the Next dough Pro is recently? Not breaking, no, nor not stretching. Really. Once it has been divided into patons, which literally means pieces of dough, it is placed in the fridge and left until tomorrow. Day two is the day of the butter. Our favorite ingredient will take up hey, as much Mr. as 30% this is one of my of the croissant pastry, videos. If but you butter wanna is give not it a mixed shot. With the dough. XQCL the two link have also, to be what perfectly are you layered. Gonna order? Une couche de beurre, une couche de pâte, une couche de beurre. Donc si le beurre est trop mou, wait, il va se mélanger 30%. À la pâte. Et à l'inverse, s'il est trop dur et que la pâte est molle, on a le même phénomène. C'est le phénomène inverse, mais tout se mélange. Oh, that's terrible for health, though, isn't it? Une consistance de pâte relativement ferme et que le beurre est ferme, rien ne va se mélanger. On va pouvoir conserver les couches de feuilleté au fur et à mesure que l'on va évoluer dans le travail. This is how lamination works. The layers are achieved by, you guessed it, folding the dough and butter over and over again. To do that, there are two kinds of folds or turns. A single fold, where the dough is folded in thirds like an envelope, gives 3 layers. Whereas a double fold, where both ends meet in the middle and then are folded again like a book, gives 4 layers. A baker can choose whichever technique they prefer. Frederic starts with a single fold, single again, and then double. Donc là, si vous avez observé, quand j'ai démarré, donc j'ai replié la pâte avec le beurre au milieu, ce qui nous faisait 3 couches. Là, je viens de la plier en 3. Donc 3 fois 3, ça nous fait 9 couches. Ce qui veut dire que déjà là, on a 9 couches, pâte, beurre, pâte, beurre. 9 layers. Là, on en est déjà à 9. Donc, là, je viens d'en rajouter 2. Et là, j'en rajoute encore 1, 2, 3, 4. On a bien 4 couches. Donc, j'en avais 9 tout à l'heure. Maintenant, 4 fois 9, 36. On a 36 couches. What? Un bon croissant, faut qu'il ait au moins combien de couches? Entre 3 et 4. Ok, donc 36, c'est... Il y en a qui vont donner 50, tout dépend. Moi, je donne un tour double, un tour simple. D'autres vont donner 3 tours simples. J'ai des collègues qui font 2 tours doubles.
et on n'a pas le même nombre de feuilles à la fin. Oh, à moins on va donner de couches, à plus les feuilles du croissant vont être épaisses. Moi, je veux que quand on croque dedans, ça soit facile à manger, que les croûtes ne soient pas trop dures, que les différentes couches ne soient pas trop épaisses. Donc c'est pour ça que je travaille de cette façon-là. Shit, not bad. As the lamination process heats it up, Frederick puts the dough in the fridge for half an hour to keep it cold. Keeping the dough cold and firm is essential for what comes next, cutting it in the tiny triangles that will be our croissants. Ah oui, absolument. C'est-à-dire que là, comme on fait du croissant, si j'étalais trop fin, je prendrais le risque d'écraser les différentes couches de beurre et de pâte. Donc, okay. Il serait moins feuilleté. Là, pour les croissants, je passe à 4,5 mm deux fois. Donc, ça vous permet de rouler le croissant. My food? What about it? Et absolument. I'm undecided. Vous n'avez pas une moule? Non, je... C'est les yeux, le moule. Le croissant, c'est fort de demi. Oui, absolument. Ça vient donc d'Autriche, lorsqu'il y a eu l'attaque des Ottomanes. C'est un boulanger qui était en train de travailler la nuit, Ottoman. Qui a déclenché l'alerte et qui a empêché l'invasion. Pour fêter ça, oh, ils ont fait une sorte de pain. Guys, are they gonna get the door? Like, for fuck's sake, man. Ça ressemble au croissant. Par contre, ce n'est pas du tout le croissant tel qu'on le connaît aujourd'hui. Get the door already, man. Les Français qui ont créé cette pâte feuilletée avec le beurre qui est devenu le croissant tel qu'on le connaît aujourd'hui. 27 months with the juicer. Voilà. It's the entry bell? Oh. Donc vous y croyez à l'histoire que la forme du croissant est dans l'Autriche. Vous n'avez aucun problème ici Non. Devant la caméra. Aucun. Non. Aucun. Est-ce qu'il y a une technique particulière aussi pour rouler un croissant? Il y a deux techniques. Soit les rouler comme je suis en train de faire, comme ça, soit dans l'autre sens. Il y en a qui vont le prendre dans ce sens-là. Put them in the oven, motherfucker! It will wait another 15 hours for that to happen. Following... Wait, what? Il faut aller vite, sinon le croissant... La chaleur des mains fait fondre le beurre. Et vous voulez toujours garder la partie froide. Oui. Voilà. En fait, c'est très froid. You may think the croissants are ready to be baked, but we actually need to wait another 15 hours for that to happen. Following Frederick's step-by-step process really made me appreciate how much time and energy goes into producing the perfect product. Do you remember the baguette tradition? Oh this my! This type of baguette, by French law, has to be made on-site with simple ingredients. Well, for the last 4 years, Frederick has been for a good fucking baguette to get right croissants now, the though. Same protection. Jusqu'en France. On a une loi pour le pain. Le pain, dès lors qu'on a une enseigne boulangerie-pâtisserie, doit être pétri, façonné et cuit sur place. Par contre, pour la viennoiserie et la pâtisserie, il n'existe rien. J'ai interpellé le Premier ministre français sur la nécessité de créer une appellation tradition pour le croissant artisanal. Le croissant étant l'emblème français de la viennoiserie, si on avait la même chose, ça serait une forme de reconnaissance pour les artisans et une garantie de qualité pour le consommateur. Il faut absolument repérer de vrais artisans et en faire parler autour de soi. It's day three of our croissants. Three, like how they grow three times their size when they are baked. Et donc là, maintenant, ils sont prêts à être cuits, mais avant de les passer au four, on va les dorer. C'est-à-dire que c'est un mélange de jaune d'œuf et d'eau qui va permettre aux croissants d'avoir un peu plus de croustillant, mais surtout d'avoir une croûte bien dorée et qui, ça leur permet de briller. Ils ont reposé au chaud, pas vraiment dans les fours, mais au chaud, parce qu'on voit un peu la beurre qui a légèrement fondu. Oui. Absolument, parce que pendant 10-11 heures, on était en froid à 4-5 degrés, et ensuite on est monté à 25-26 degrés, puisque c'est sous l'action de la chaleur que les levures vont vraiment s'exprimer. C'est la levure qui va manger le sucre et tous les corps sucrés qu'il y a à l'intérieur du croissant et fabriquer du gaz carbonique. C'est les petits trous qu'on voit après à l'intérieur, que ce soit dans le pain, dans les croissants. C'est la mécanique naturelle de la fermentation. Oh, it's breakfast time! Fuck! Il faut attendre beaucoup de temps et progresser la température. Oh, putain, guys, I'm reading some titles because she doesn't speak a good French. Her French is kind of broken. I'm sorry, her French is broken. I can barely hear because of the mask and I can't hear her properly. Les levures, c'est le temps qui va faire. Also, she's using
she doesn't have the she doesn't use the correct male female, which is kind of like off-putting sometimes. Because they like it looks like butter is male, and she says female a bunch about a lot of words, so it's kind of like, you know, it's like faire la qualité du produit. Il faudrait prendre le beurre and no, mother, it's like a, it's prendre le beurre done for. I'm sorry. Sorry, dude, I came out of nowhere, sorry about that. Apologies. Vous avez une pelle à pizza, non? Ah non, ça c'est une pelle à plaque. La pelle à pizza est beaucoup plus large. Oui. Donc là, ça va être pour mettre les plaques jusqu'au fond du four. Oui. On peut mettre 4 plaques. 4 plaques, voilà. Non, juste parle juste pretty good. Il y a I like her, she's a good 15. Donc là, on va en mettre 60. Pour la cuisson, à quelle température? On est à 215 degrés. Et on va les faire cuire entre 15 et 17 minutes. Ça fait que c'est beaucoup plus long de la pizza. Oui, le four à pizza est beaucoup plus chaud. Oui, c'est vrai. Mais la technique, c'est la même. Oui, le coup. Our friend is pretty good. Ici, on est à Nice, près de l'Italie. Absolument. On partage un peu les... C'est nos voisins. Ce sont nos voisins. It's not bad, bad. Voilà, somebody go to the door, bien. Man. Là, holy. Là, je suis assez satisfait parce que. Get the fucking door, dude. Le but recherché, c'est d'avoir du croustillant à l'extérieur et du moelleux à l'intérieur. Donc, si on regarde et qu'on écoute, on a un bon feuilleté et donc un très bon moelleux également. On croustille, on est moelleux. Donc là, on a un croissant au beurre qui va faire que le client va vraiment se régaler avec, hein, parce que là on a une belle mie bien jaune, bien beurrée. Donc, je suis content. I like putting butter in the fucking croissant. Allez. You can put jelly on it and whatnot. C'est bon, quand in the morning, I just go straight butter. You just take a knife, you go schling, you go. Là, c'est royal. You bite it into it. That's the way to do it. C'est 9h, vous n'avez pas vraiment commencé votre journée avec le croissant. Alors, on va dire que ceux-là sont terminés. Maintenant, il va être temps que je commence ceux pour demain. Puisque ceux de demain sont préparés aujourd'hui pour avoir au moins 15 heures de fabrication avant qu'on les mette au four. Ils auront eu 15 heures de repos. Et c'est l'avantage que les artisans ils ont sur les industriels, c'est que les industriels n'ont pas le temps. Oh, Jesus, look at these.